Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette pause active du mardi après-midi. J'espère que tout le monde va bien, vous avez bien commencé la semaine, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à bouger avec nous pour cette pause active. Donc, comme d'habitude, pensez à bien couper vos micros afin que l'écoute soit agréable pour tout le monde. Donc, prenez le temps maintenant de juste vérifier sur Zoom que vos micros sont coupés. Mettez-nous en grand sur l'écran et comme ça, vous pouvez profiter pleinement et bien voir les exercices. Très bien. Ok, je vous invite, une fois que c'est fait, à vous lever, prendre l'espace dans le bureau et on pourra commencer cette pause active tous ensemble. Ok, on s'installe et pour commencer, on viendra grandir les mains, les lever au plafond et on viendra tanguer de chaque côté. Ok, on pense à, on a une belle posture bien grandie, les genoux sont fléchis, on est flex dans ses genoux, mais les bras sont bien hauts, bien grands, et je viens faire l'espace, créer de l'espace entre mes côtes, mobiliser ce dos. Ok, assis un bon moment de la journée, ça va faire du bien de bouger. Ok, on peut relâcher. La suite, on viendra tendre les bras à hauteur des épaules et je fais des petits cercles vers l'arrière. Je tourne et j'emmène vers l'arrière mes bras. Et petit à petit, je viens de plus en plus agrandir mes cercles. Ils deviennent de plus en plus grands. On va chercher bien loin, bien grand. On tourne. On vient bien au-dessus de la tête. On vient chercher les petits angles qui pourraient gêner, déranger, tout en gardant les bras bien tendus. Et on vient relâcher. On laisse aller. Et pour la suite, on viendra les pieds plus larges que les hanches, les orteils vers l'extérieur. Et je viens fléchir le genou, me pencher et j'amène ici mon bras, je viens le tendre et je peux prendre appui sur ma cuisse. On ne prend pas appui sur l'articulation, on le met bien plus haut. Et on vient tendre, inspirer, expirer. On a bien le bras tendu. J'inspire, j'expire et je peux revenir. On relâche, on repartira du même côté qu'avant. Le genou fléchit, je place le poids du corps sur cette jambe, je viens tendre le bras, l'amener bien haut, je respire et j'expire, j'inspire et j'expire. On vient bien tendre, hein, étirer et je reviens. On partira de l'autre côté, donc je mets mon poids du corps sur l'autre jambe, je viens tendre le bras, j'inspire. Et j'expire, vous pensez le regard au loin, gardez une belle posture, j'inspire, j'expire, et je remonte, je relâche, on fera encore une fois, je viens glisser, amener mon buste sur le côté, le grandir, j'inspire, et j'expire, j'inspire. Expire, je remonte, je reviens et je relâche. Parfait. On pourra prendre l'élastique rouge pour commencer et on pourra le mettre derrière le dos. Donc comme ceci, on vient mettre, prendre les mains en le serrant. Je place l'élastique derrière le dos et je viens tirer, ouvrir la cage thoracique en serrant les épaules. Je relâche. Je serre mes épaules, je tire l'élastique vers l'extérieur. Et je relâche. On essaie de venir ouvrir le buste un maximum, d'avoir une belle posture bien fière. Et je relâche. Et j'ouvre. Je relâche. Dans cette position, on pense à, on a les genoux fléchis. Une belle posture fière.
Et on continue. On le fera une dernière fois. Je viens ouvrir le buste, serrer les omoplates. Et on relâche. OK. On pourra reprendre l'élastique d'avant. Et on le prendra dans les mains pour venir faire le mouvement de boxe. Je suis flex dans les genoux. J'ai ici à la hauteur de poitrine mon élastique. Les coudes sont proches des côtes. Et j'envoie en tendant le bras à la diagonale. Je viens bien faire une extension de mon coude. Ça veut dire que je le tends. Et on vient bien mettre de la tension dans cet élastique. Hein. Et on ramène à chaque fois proche du corps les coudes. Et on va chercher bien loin. On essaye de ne pas monter ses épaules, elles restent bien loin des oreilles. Et on envoie de chaque côté. Super. On pense à avoir les abdos engagés pour une belle posture. Une dernière fois de chaque côté. Et on pourra relâcher. OK. On garde l'élastique pour l'avoir dans les mains toujours. On peut le mettre entre les pouces. On partira ici en bas. Et on vient ouvrir, fermer. Et je monte les bras petit à petit. Et je viens jusqu'en haut de la tête au plafond. Et je redescends. On monte de profil. On garde la posture du dos droit. Les abdos engagés. Mes genoux sont fléchis. Et je viens balancer dehors, dedans, dehors, dedans. Toujours une tension dans l'élastique. On sent les épaules qui viennent chauffer. Et on fera une dernière fois où on monte. Je continue de garder le mouvement. Et je redescends jusqu'en bas vers mes hanches. Et je relâche. Super. On sent les épaules chauffer bien sur cet exercice. Et on pourra changer l'élastique. On pose le rouge et je vous invite à prendre le vert. On pourra passer à la hauteur des chevilles. Donc, si besoin, hein, on se tient pour passer l'élastique. On s'installe. On le met aux chevilles. Et depuis là, on fera une extension de la hanche. Donc, si besoin, on vient s'appuyer sur le bureau. Sinon, on met le poids du corps sur une jambe, le genou est fléchi, on monte de profil. Et là, on viendra contracter le fessier pour tirer la jambe derrière. C'est mon talon qui vient vers l'arrière et je relâche. J'engage le fessier, je tire la jambe. Et je reviens, j'essaye d'avoir les abdos engagés pour ne pas déformer mon buste. Je ne tends ni à gauche ni à droite. J'essaye d'être le plus stable possible. Et on contracte les fessiers. Yes, n'hésitez pas, hein, si besoin, l'appui quelque part pour la stabilité. On le fera une dernière fois. Et on relâche. On laisse aller les jambes. Et on fera de l'autre côté. Donc, je mets mon poids du corps sur l'autre jambe. Et je viens contracter les fessiers pour tendre ma jambe. Si besoin, on peut reposer les orteils entre chaque mouvement pour la stabilité. Sinon, on essaye de rester le poids du corps sur la jambe d'appui. Le buste est légèrement vers l'avant, c'est normal. On doit compenser pour garder l'équilibre. Ce qui est important, c'est d'engager le fessier, étendre cette jambe le plus loin que vous pouvez. On vient résister à cet élastique. Une dernière fois. Et on relâche. Bien joué. OK, ensuite, on pourra monter aux genoux, l'élastique donc au-dessus des genoux, hein, toujours au-dessus de l'articulation. Et je viens descendre
dans mes appuis. J'engage mes cuisses et mes fessiers. Vous voyez, je suis plus basse comme si j'avais voulu m'asseoir sur une chaise. Et depuis là, je fais des mouvements sur le côté. J'avance et je reviens. J'avance. Laissez l'espace hein, selon la disposition dans votre bureau. Si on doit faire des plus petits pas, ça va aussi. Et on revient en arrière. On vient bien rester bas dans les appuis. C'est pas grave si vous n'êtes pas synchronisé avec nous. Hein, l'important est de se concentrer sur le mouvement. On reste bas et surtout, on engage les cuisses et les fessiers. On fait dernière fois. C'est les abdos bien respirés et on pourra relâcher. Super. Gardez l'élastique au niveau des genoux. On vient serrer les pieds l'un contre l'autre. Je mets un peu le poids du corps vers avant et je viens ouvrir mes genoux et mes hanches. On vient lutter hein, contre l'élastique et je viens ouvrir le plus que je peux. Je viens bosser l'intérieur des cuisses et engager l'extérieur des fessiers. Ils sont importants à engager, à mobiliser. Surtout après être assis un long moment de la journée au bureau. On fait une dernière fois. Et on relâche. Super. Vous pourrez enlever l'élastique. Si besoin, n'hésitez pas à vous appuyer à chaque fois que vous faites ça. Pas perdre d'équilibre. Être bien stable. Et pour la suite, on peut tout poser les élastiques, on en a plus besoin. Pour la manière, pied largeur de hanche. Et avec les bras tendus, je viens en fait toucher mes pieds. Ici, je viens toucher, faire une rotation, regarder de l'autre côté. Je reviens ici en haut. Je redescends. On va doucement, pas besoin d'aller trop vite. Et on remonte gentiment. Pour éviter d'avoir un peu la tête qui tourne, des fois avec les changements de position au bas, ça peut arriver, donc gérer l'amplitude. Si jamais vous voulez venir toucher seulement le genou à la place du pied, c'est possible. Vous montez option, vous venez seulement jusqu'ici, mais l'important étant de bien tourner la tête, tourner la colonne, et surtout ouvrir l'épaule qui est contre en haut. Ok, on fait encore une fois de chaque côté. On descend. Et on relâche. Ok, on peut enrouler les épaules vers l'arrière. Et maintenant, on viendra enrouler notre colonne. Donc, depuis ici, je mets le menton au sternum. J'enroule le haut de mon dos. Les vertèbres thoraciques. Je descends jusqu'au lombaire et je laisse descendre la tête, les bras. On peut un petit peu fléchir les genoux. J'ai le dos bien enroulé, bien bombé. Et je reste en bas en tendant un peu. Si on veut balancer de gauche à droite, c'est également possible. On laisse descendre toutes ces tensions. Et je vais remonter tout doucement, posant les mains sur les cuisses. Je déroule le bas du dos, le milieu du dos, pour remonter jusqu'au cervical, vers la nuque. Laissez aller. Et depuis là, on viendra inspirer, monter les bras. Et je viens souffler, tout relâcher. On laisse aller. On le fait une dernière fois. Je viens inspirer. Monter, on prend toutes les énergies. Et on relâche. On laisse évacuer tout. On se détend. Et je remonte gentiment
tout tranquillement, déroulant mon dos. Et je respire. Et vous pouvez vous féliciter pour cette pause active. Bravo à toutes et à tous. Vous avez bien bougé, bien joué. Vous êtes même accompagné du soleil, c'est la classe. Alors j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On se retrouve donc Merci beaucoup. jeudi pour la suite. Et je vous souhaite une toute belle fin de journée. Bonne journée, Pareil, au bonne revoir. journée, au revoir.